C'est une violation flagrante des principes élémentaires de la démocratie. Un tour de papa mobile, c'est pas donné à quelle tout le monde. Quelle chance, et sans ticket pour le moment. S'accuse Aquilino Morel de conflit d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques. Et il a bien travaillé, mais sur ce qui s'est passé avant, il a à en répondre et ça revient simplement à lui et à lui seul. C'est ce qu'il a compris en présentant sa démission que j'ai acceptée immédiatement. Des cas individuels qui ne sont pas forcément d'exemplaires, il y en a de tous les côtés. Parce qu'il nous a laissé beaucoup de choses merveilleuses, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité dans ses œuvres, et c'est une perte sans limite. Il va beaucoup nous manquer. Eh bien, c'est un ado qui a eu l'excellente, ingénieuse idée d'aller uriner dans un réservoir d'eau potable. Mais dis-moi, en France, que les animaux sont pas mieux traités que les enfants. Une jeune fille qui utilise la pilule du lendemain est considérée comme une semi-meurtrière, tandis que celles qui utilisent l'avortement font un homicide volontaire. Selon nos informations, il serait plus de 21 000 repentis fiscaux, des Français désireux de régulariser leurs avoirs détenus jusqu'ici illégalement à l'étranger. C'est 100 millions de fois plus loin que la planète Mars. Oui. C'est pour vous dire qu'on n'est pas prêt d'aller visiter cette planète, on n'est même pas prêt de l'observer. Vous êtes des emmerdeurs plus mal.